Bonsoir à tous. Alors ce soir, on va se faire du coup du Blaster Master 0 sur PS4. Sachant qu'en ce moment, jusqu'au 29 avril, il est en promo à 5 € sur le PSN au lieu de 10. Et ensuite, on essaiera Cadence of Hyrule, le crossover entre Crypt of the Necrodancer et la légende de Zelda. Bref. Alors, Blaster Master Zero, en fait, c'est une sorte de remake, remaster, réinterprétation entre guillemets du Blaster Master original qui était sorti sur NES en 88 et développé à l'origine par Sunsoft. Lui, il a été développé par IndieCrate. Voilà. C'est un jeu plateforme action dans lequel on pilote à la fois un char où on se déplace à pied, sachant que quand on est sur des phases d'un char, on est sur des phases 2D vue de profil classique pour une plateforme. Par contre, dès qu'on est en mode je me balade à pied dans des donjons, là c'est une vue de dessus. On est un peu plus. Comme Zelda un peu plus testostérone. Voilà. Et donc Blaster Master Zero est sorti en 2017. Hop là. C'est ça, sorti en 2017 sur 3DS, Switch, Windows et PS4. Qu'est-ce que je peux dire ensuite? Sur la manette qui s'écoute déconnectée. Hop là. Je pense que voilà, j'ai à peu près tout dit, de toute façon on verra. J'ai pas essayé le jeu. Je crois que j'avais testé la démo. Je crois qu'il y avait une démo quand il était sorti sur la Switch. Au tout début, quand la Switch est sortie, je crois. Enfin, peu de temps après. Mais après j'ai pas joué, je l'ai récupéré ce soir en fait. Donc ça va être la surprise. Hop là, je monte juste un peu. Voilà. On y go. Donc, je prends la manette. Et on y va. Puis j'ai profité pour améliorer un peu mon, entre guillemets, le setup. C'est que maintenant j'ai le jeu du j'ai le son du jeu quand c'est Switch, PS4 et compagnie dans le casque et non pas qui sort depuis l'écran. Allez. Une grenouille.
l'histoire est un peu plus étoffée quand même que la version NES d'après de mes souvenirs. Sur NES, je crois que on avait l'intro, c'était juste un gamin qui avait trouvé un peu pareil, qui avait trouvé une grenouille qui s'en était occupée, puis un jour elle s'échappa, entra dans une caverne, il la suivit et trouva le véhicule. Je crois que c'est à peu près ça l'histoire vite fait. Ah bon ben comment jouer? Déplacer les joueurs, changer d'arme, on verra au fur et à mesure. Ok, il y a un mode multi aussi. Est-ce que c'est une de ces zones forestières souterraines établies pendant la dernière ère glaciaire? Des siècles ont passé, mais l'écosystème est riche et florissant. Pour une raison que j'ignore, le système d'entretien marche encore. J'ai intérêt à rester sur mes gardes. Qui sait ce qu'il fait encore ici? Donc ça. Tire. Okay. Donc le P c'est les points de vie, le S c'est le spécial, c'est ça. Donc ça récupère des points de vie, triangle pour sortir, ok, tirer un biais. Coup spécial, pas aller reprendre, comment jouer, ok. En tout cas, le début ressemble assez au début du jeunesse. Ok, c'est ça, se garde. Le jeu sur NES, je l'avais eu quand j'étais petit. Je crois que j'avais jamais réussi à le finir. En même temps, il n'y a pas de système de sauvegarde. C'est un jeu comme l'époque. Ouch. Ah. Ok, donc on peut se baisser. Donc voilà comment ça à quoi ça ressemble dans les donjons. Un peu plus détaillé quand même qu'à l'époque de la NES. Niveau 1, carte de la zone forestière. Ok, quand tu maintiens L1, tu peux te sélectionner. Ok, l'arme principale. Bon air, c'est sûr que ça des grenades. Ok, on peut
casser les murs avec les grenades. Oui, on peut réutiliser les points de sauvegarde. Ouais, de ce que j'avais lu, il paraît que le jeu est quand même assez facile. Ah mince. Bah il disait rien, pourtant ça fait rien. Ah oui, le truc qu'il y avait sur NES aussi, c'est que quand on détruisait les blocs et qu'on les sortait de l'écran et qu'on revenait, bah, les blocs revenaient automatiquement. Gardez pas en mémoire le... Ouais. Au niveau où on était, ils gardaient pas en mémoire les blocs qu'on avait supprimés. Alors, hop. On peut vérifier quelque chose. Ah si si. Est-ce que si je fais comme ça... Qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Et si je fais ça... Et si je fais ça... Professeur... C'est un peu chiant de gérer ces paramètres. Ok, bon, je vais juste baisser un peu ça. Voilà. La jauge G en gros, en fait, je crois que quand on se fait toucher, elle descend, dès qu'elle est retombée à zéro, on se retrouve avec le tir de base. Mais dès qu'on en a un peu, on peut réutiliser les d'autres armes. Je crois qu'on peut quand même aller dans l'eau, je crois.
essayer. Ah, sur NES, on pouvait passer à côté. Ok, donc là, on est bloqué. Ok, en fait, en fonction du G, ça débloque l'arme qu'on peut utiliser. Voilà, touché, hop, j'ai perdu un point, donc j'ai perdu une arme. Alors, on a plein de trucs du coup. Ah, avec un auto-fire, ça c'est cool. Ok, ça c'est pour contrer les tirs, j'imagine. Ok. Un lance-flamme. D'ailleurs, il est pas mal celui-là. Ah. Ah, voilà, ça y est, j'ai tout. Ça, c'est. Ça, c'est l'arme ultime.
pense qu'on approche du boss. Ouais, premier boss. Un mutant géant. Mother Brain. Oh là là, trop facile. Hyper tir améliore l'arme primaire de Sophia. Permet de battre des ennemis invulnérables. Ah mince, je prends les points de vie. Aïe 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 aïe. J'imagine, voilà, on saute juste pas assez haut. Ouais, maintenant ça on peut le casser. Ah. Extinction vie. Attends. Celui-ci pas ici. Encore un boss. Rouleau au piégeur. Mmh. Ça sent le truc qui sort des...
Ok, en fait, apparemment, il y en a 3. Ah non. Si, si. De 2. Et le vert ne sort que par en haut. Radio bombe. Bombe à distance, ok. C'est changement de zone. Principal. Ok, ça c'est la carte zone 2. Ah ok, la radio bombe. Passer là. Ah putain, ah 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 ah. Par bas déjà pour voir. Okay. Sans une arme particulière on peut pas passer. Ah là là là. Apparemment on s'éloigne du coup.
on a juste la carte en fait. C'est ça. Mais rien d'autre. Salut Solarus. Hop. Yep. Comment ça va du coup? Ça fait un moment qu'on sait pas. C'est pas parlu. Parlu. Qu'on s'est vu ou parlé. Allez, saute. Là. Hop, hop. Bon, toi, je t'évite. Alors, trop facile avec cette arme. Ok, donc là faut passer quand c'est pas trop là. Là c'est chaud par contre. Hein. Aïe. Et mince. Ah mince. Ah pratique ça en fait contre plusieurs ennemis. Mais ça vaut pas le truc que j'avais tout à l'heure quand même. Dernier? Non. Ah. Est-ce que du coup j'ai lance-flamme? On va se contenter de ça. Allez, boss. Crabe, une larve. Un crabe et une larve. Aïe. Elle est quand même pas très efficace ce tir.
peut-être un peu plus efficace celui-là quand même. Ah, il est plus efficace. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? Tir laser permet de tirer à travers le décor. Du coup. Ok, ça je pense que c'est pour casser les blocs qu'on pouvait pas casser avant. Hop. Ok. On va peut-être revenir en arrière en fait. Et puis hop. On va d'abord essayer peut-être ça. Mince. Ah non, c'est pas pour traverser ces blocs, je croyais. Diable. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un raccourci en fait. Une salle où il n'y a rien, bizarre. Ah,
Chez vous. Je vais essayer de visiter toutes les salles. Ah voilà, du coup je peux plus y aller. Cul de sac. Éviter de se faire toucher. Les trucs de vie, mais ça sert pas à grand chose en fait, je suis à fond. Allez, go. Ok. Donc on va aller là. Hop là. Hop, hop, hop. Ah putain, il va me faire toucher quoi. C'est mince. Ah. Ah, c'est un petit, je pourrais pas le récupérer. Chiotte. J'étais trop gourmand. Allez, sauvegarde. Ah voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Crabulus. Tu te déplaces ou pas? Ah ouais, c'était ok. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Juste. Hein? Ah mince, j'avais pas vu que j'avais plus de vie.
on s'éloigne un peu au cas où. Et voilà. C'est beaucoup plus simple. Tire broyeur. Nom de Zeus. Ça n'était pas dans l'original, je crois. Ces verres là, ils sont super chiants. Je peux pas souvenir que dans le jeu original, on sauve une fille. Du coup, il faut que j'aille en bas, mais j'ai deux endroits que j'ai pas encore visités. Ok, donc ça c'est pour aller sur la zone 3. Ok, donc là il vaut mieux monter. Je vais continuer à percer les passages. Attends, hop. Voilà. Ok, donc là hop.
Hop, hop, là. Un peu de vie, parce que j'avais bien besoin. Récupère là. Alors, bouclier d'énergie évite de perdre votre niveau de canon quand vous subissez des dégâts. Disparaît temporairement une fois touché. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça va devenir encore plus facile en fait. Bon, c'est-à-dire que je peux me faire toucher une fois et je perdrai pas mon niveau d'arme. Ok, donc du coup, je peux pas aller là-haut. En fait, faut que je rebousse ce chemin si je veux aller voir le niveau avec boss que j'ai raté. Ah. En fait, ça va être juste des vagues.
c'est pas bien difficile, hein. Arme secondaire tire un missile qui poursuit la cible ennemie. Ils peuvent remonter. Bon. Hop. Ouais, donc je peux pas y accéder tant que j'ai pas genre super saut. Aïe aïe aïe. Allez, zone 3. Ok, donc ça c'est le tapis roulant. Ok, donc prochaine amélioration, pouvoir passer sur des plateformes en dessous. Ah non, y a que ça en fait. Ok. Ouais, ben, il servait pas à grand chose en fait ce niveau.
Aïe 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 aïe. Mais non, quand j'ai pas la carte du coup. On va faire au fur et à mesure la carte. Ça je peux pas l'ouvrir. Ah, chiotte. Aller le tuer. Aïe. Aïe aïe aïe. Heureusement que j'ai ma protection. C'est logique que le chemin le plus dangereux soit celui qui mène au boss. Allez. Laser immobilisateur. Bombe éclair, mon secondaire est une lueur aveuglante. Mais c'est toujours pas la carte. Alors. Sur la carte, mais c'est là. Ok, donc tac tac. Thank you.
J'ai pas de carte là, non. Et voilà. On a la carte. Là, faut faire tout le chemin inverse. Un évident de toucher. Ok. Donc la carte elle dit quoi maintenant? Ok, pas grand chose. Ok. Ah mais... Ah non, on a double up en fait. Extinction de vie.
quand? Un boss avec le... Ah ouais. Salut James. J'imagine qu'il faut tirer à travers. Ah. Oh là, oh là. Aïe 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 aïe. Ouais. Voilà. Quel fourbe ce Fred. Une grenouille plutôt intelligente. Hein. Pas moyen d'avoir de... Il me reste un point de vie.
que je l'ai. Voilà. Normalement maintenant, je peux. Faire ça. Pas le bon chemin, je sais. Ah ouais. Ok, lui, pour pouvoir l'activer, faut avoir la capacité de rouler sur les murs. Donc en fait on va revenir à la zone 2. Et je pense qu'on va devoir aller dans la zone du milieu où on pouvait qu'on pouvait pas accéder parce qu'on pouvait pas l'éviter. C'est ici. C'est ici. Ah, ils sont chiants ces trucs. Voilà, il est occupé. Du coup, on est là, zone. On ne pouvait pas accéder tout à l'heure. Juste de la vie en fait. En fait, faut vraiment revenir à la première zone. Aïe. Aïe. Ah.
parce que du coup là ça c'était un truc. Ah bah oui. Je peux y accéder maintenant là. Quoique, je sais pas si ça peut fonctionner sur vous. Pas sous l'eau, donc on va pas. Non, ça fonctionne pas sous l'eau. Mais attends, je suis con. Tu peux nager sous l'eau. J'aurais dû le faire dès le début en fait. Bon, j'ai fait ce donjon. Un petit donjon. Je vais à la zone 4, je sauvegarde et on passe la cadence au Firule. Ah mais je suis pas assez calé. Ma protection a fait que j'ai pas perdu mon tir. Voilà, tout nettoyé. Ok, donc il y a un boss. Ah mince. Ah c'est bon. Alors, poudroyeur, arme secondaire tire des éclairs depuis le dessous de Sophia. Ah ben, c'est ce qu'il m'aurait fallu pour les verres en fait. Sélectionne. Ah bah oui. Beaucoup plus efficace.
Hop. C'est bien là. C'est bien ça. Ah, ta. Est-ce qu'il y a quelque chose encore au-dessus? Non. Les zones de glace. J'avais dit que dès que je chope un point de sauvegarde, je m'arrêtais. Ce qui est déjà fait. Hop. Sauvegarder. Hop. Bref, donc c'était Blaster Master 0 sur PS4, dispo également sur Windows et Switch, sorti en 2017, une sorte de remake réinterprétation du Blaster Master original de la NES sorti en 88, développé par IntiCreate et sous la supervision de Sunsoft, c'est ça. Tuk. Blaster Master Sunsoft, c'est ça. Voilà. Donc,